Alors toi, Camille, quand tu t'énerves, ouais, t'envoies tout sur Insta. C'est toujours de manière comique, hein. Ah bah ça, on va voir si les gens rient. Non mais c'est avec humour. Non mais de toute façon elle a changé, moi j'ai remarqué elle a beaucoup changé. Déjà tu fais des brochings, t'as vu ce brochings? Ouais c'est vrai, il est beau hein. Ah, on dirait un poney, je te jure, elle est chou comme ça là. C'est magnifique. Un joli poney. Ah mais, poney, mais attention, poney elle est sexy. T'as vu, ça brille et tout. Mais c'est fou. J'ai toujours été très sexy. Parce que tu le veux bien. Bah ouais. Arrête de me regarder comme ça. Bah ça t'excite. Toi tu passes dans les parcs, tu vois un poney, tu fais oh. Bah ouais. Ouais, d'ailleurs à Noël j'ai eu des polypockets. Et donc tout au long de cette soirée on mettra des petits flashs Camille a le seum. Regardez. C'est bien. Camille a le seum. En ce moment c'est la Fashion Week où je croise un peu les mannequins avec leur style, les créateurs, les stylistes. Mais il y en a, ils doivent arrêter tout de suite. Il y a des gens, vous croyez lancer des modes, mais meurs là-bas. Ah, ils disent ils sont avant-gardistes. Mais toi tu gardes quoi? T'es avant qui? Ton style il pue de ouf. Personne s'habillera jamais comme toi. Bah sinon on fait tous la mode. Moi je mets des chaussettes sur ma tête. Ça c'est avant-gardiste, ça c'est un truc de ouf. Claquettes, chaussettes, cheveux, chaussettes. Et bah oui c'est nul, évidemment que c'est nul. Ça c'est le coussin chapeau. Bah protection UV, également casquette quoi. Bah oui c'est de la merde, évidemment que c'est de la merde. Ça c'est le chignon lampe torche. Toi la nuit, hop tu veux rien porter, chignon lampe torche. Hop t'éteins, hop tu rallumes. Ça c'est le style abat-jour, ou le style je veux pas voir ta gueule. Évidemment, c'est une daube. Putain, putain. Tout ça pour dire que la mode, c'est pas pour tout le monde. Quand je me suis allongée, ça m'a épuisée. Ah, je me suis trop énervée, là. Voilà. Camille, tu fais ces vidéos chez toi? Chez moi. Je fais ces vidéos chez moi, dès que je suis inspirée, dès que je vois un truc qui m'inspire, et je le fais, je balance. Mais t'en fais beaucoup, des vidéos. Beaucoup. T'es très inspirée. Je suis très, très seule. Mais c'est ça qui est génial avec les réseaux, c'est qu'on peut tout faire tout seul. Il n'y a pas besoin de 40 caméras comme ici, il n'y a pas besoin de... Mais c'est ça que je voulais, du coup, ça revient à ce que je disais au début de l'émission, et ça, j'assure un peu la durée d'écoute, ça s'appelle l'émission. C'est que tout à l'heure, ce que je disais, c'est que... Non, mais sérieux. Oui. Parfois, moi, j'ai envie de faire ça. Mais t'as peur? Non, c'est pas peur. Parfois, t'as envie de le faire, mais t'as l'autre qui appelle, machin, truc, ça... Bah, tu peux pas te mettre en mode avion? Ah, oui. La lune, la lune. Mais si tu te mets en mode avion, tu peux plus poster ta vidéo? Mais non, mais c'est non, bah alors peut-être moi, ça y est, je suis vieux en fait, je viens d'avoir un enfant non, et tout ça. Pas du tout, c'est une vieille excuse. Donc, enfin, tu l'as eu, c'est donc, ta elle femme qui l'a eu. Deux ans. Oui, oui, non mais je. Non mais sinon, il y a peut-être une part de responsabilité là-dedans. Ouais, si, tu t'es très bien remis de la couche tard. Je pose la première question intéressante de la soirée. Bon. C'est intéressant pour vous qui nous suivez. Le gars, il présente le JT à chaque fois. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Bonsoir. Allez, tout de suite. Voici la première question intéressante de la soirée. Camille Lelouch. Bonsoir. Bonsoir. Quand vous faites vos vidéos, est-ce que vous avez le temps de les faire? Est-ce qu'on se donne le temps de les faire? Est-ce qu'on prend le temps de les faire? Écoutez. Oh, il est chiant. Bon, j'arrête. Ouais, c'est du feeling. Non, tu vois, tu vas, tu le fais, tu te lances. Si c'est de la merde, bah, tu l'enlèves. Et puis si c'est bien, tu la laisses. Et combien de temps ça te prend de faire une? Parce que je ne te prête pas mon vélo. Ça peut prendre ça fait un bruit, là. Bon, est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux pour passer vos petits coups de gueule? Et ça vous arrive? Il y en a plein, quand le train est en retard, il s'énerve. Ouais. Florent? Non. C'est pas toujours très intéressant, ce qu'on a à dire. Ouais. Par exemple, moi, je regarde Canal, je suis abonné, et quand je regarde beaucoup de films, parce que je suis très cinéphile, on me met toujours une manip recommandée pour vous. Mais qu'est-ce que tu sais, ce que tu peux me recommander, connard? Je veux pas qu'il me recommande des choses. C'est quand même Laurent Baffi. Ouais, j'ai poussé un coup de gueule, hein. Là, c'était un vrai coup de gueule. Mais bon, donc, je le mets pas à ça, parce que c'est long à taper, ça n'intéresse personne. Vous comprenez? T'abonnes pas à Netflix, hein. Parce qu'ils te l'envoient par email. Ils envoient par email, et quand l'épisode se termine, tout de suite, il dit tu veux voir celui d'après? Tu fais ah putain, allez, j'ai bah, vu d'accord. La Casa del Papel, j'ai l'impression de le voir. Oui, à chaque fois. Tu ressens le gars au professeur de la Casa del Papel. Est-ce que vous avez un peu envie de me ken? Je crois que oui. Un petit peu, quand même. Le petit. Sachant qu'avec Vita, il y a... Ouais, y a un truc pas du tout. Alors, la on pauvre, se connaît, on s'est rencontrés aujourd'hui. On s'est rencontrés à l'instant, mais de manière super mignonne dans les loges. Mais c'est vrai, je peux dire, parce que les invités ne font pas ça entre eux en général. T'es super mignon. Toi, t'es venu te présenter, salut, bonjour, on se connaît pas. C'était trop mignon. Donc moi, je me suis fait un gros film, parce que moi, dans ma tête, je suis encore en troisième. Et ouais, donc pour moi, je suis au collège. Qu'est-ce qu'elle vient me dire bonjour, celle-là? Mais non. Arrête, donc ça peut être mal interprété, mais je fais. Non, pas du tout, non. Ouais, enfin, il m'a quand même demandé, dis-moi, Vita, elle a un cœur ou pas? Tu vois? Donc, si elle avait un mec ou pas? Un cum, c'est en berlan. Du berlan. Je recolle les morceaux.